à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Amandine de Souza. Bonjour. Bonjour Charlie. Donc tu es directrice générale de Le Bon Coin depuis quelques mois. Exactement. C'est-à-dire qu'en avril, mai. J'ai rejoint la compagnie en avril. Donc ça fait déjà 6 mois. Alors je te présente rapidement le sommaire, mais on va commencer avec une séquence qu'on appelle David rencontre Goliath, où tu vas faire face à une autre start-up et une start-upeuse. Donc on n'aura que des femmes aujourd'hui sur le plateau. Ensuite, on aura une séquence en coulisses où on va vraiment parler de moments importants dans ton parcours de dirigeante. Donc, on va forcément reparler du BHV et bien sûr, quand même un peu du Bon Coin. Et après, on finira avec une interview chrono, donc, qui, comme son nom l'indique, va être une série de questions-réponses très rapide. Super. Écoutez, merci. Et on va tout de suite passer à la séquence David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui va te faire face, Amandine, donc c'est Tilly et donc sa fondatrice, Beryl de la Bouchère. Donc Tilly propose un service de courturier, maroquinier à la maison, à domicile. Oui, alors aujourd'hui on a un réseau de plus de 500 artisans partout en France. Et en fait notre mission c'est de reconnecter les consommateurs mais également les marques au savoir-faire des artisans français pour entretenir et faire perdurer leur linge de maison, leurs habits, leurs chaussures et leurs sacs. Donc comment ça se passe concrètement? On a les clients, les consommateurs finaux peuvent directement sur notre site ou notre application passer rendez-vous avec un couturier à domicile par exemple pour retoucher leur rideau, réparer un jean ou directement nous envoyer dans nos ateliers un sac à recolorer, à réparer pour lui donner un second souffle. Et on a une autre particularité, c'est que ce service, on le propose également aux marques et aux plateformes pour qu'ils puissent proposer ce même service à leurs clients directement. Donc on se connecte de façon omnicanale, c'est-à-dire aussi bien dans les boutiques de nos marques partenaires que sur leur site e-commerce pour leur permettre de proposer un service d'entretien et de réparation pour entretenir une relation durable avec leurs produits et également leurs clients. Et Amandine, tu connaissais déjà Tilly et Beryl? Oui, on se connaît avec Beryl. J'aime bien connaître pas mal d'entrepreneuses. Et avec Beryl, on s'était rencontrés par des relations personnelles qui nous ont mis, qui a mis Beryl sur mon chemin. Parce qu'à l'époque, j'étais dans les grands magasins, aux Galeries Lafayette et au BHV, et on cherchait un service de retouche ou d'upcycling de produits. Tu ramènes ta veste, elle te va plus ou tu as envie de la rendre un peu plus tendance. Et donc Tilly avait fait un pop-up au BHV et permettait d'améliorer les vêtements pour les porter plus longtemps. Alors, question pour toutes les deux, mais est-ce que diriger une entreprise, on va dire un impact positif, c'est un peu le mot qu'on emploie aujourd'hui, c'est plus dur ou pas qu'une entreprise du coup qui a peu ou pas d'impact? Je dirais que ça prend plus de temps parce qu'on ne fait pas les choses dans le même ordre et d'autant plus Tilly où en fait on a constaté un gap marché. En fait, plein d'artisans étaient proactifs, mais isolés les uns des autres. Donc, il fallait d'abord les réunir. Et c'était un métier sur lequel il n'y avait absolument pas de technologie et très peu de chiffres. Et donc, très peu de chiffres financiers, administratifs, mais aussi très peu de chiffres pour mesurer l'impact que pouvaient avoir ces artisans sur la durabilité de vie des produits. La mise en place de tout ça prend beaucoup de temps. Et souvent dans les métiers impact, il y a beaucoup de choses à construire ou à remodéliser. Et donc ça prend effectivement, en tout cas de notre côté, beaucoup plus d'énergie. Moi, je dirais que c'est une opportunité de dingue parce que c'est encore un monde qui est à découvrir. On a un potentiel de croissance sur des usages plus durables qui sont encore importants. Ce qui nous rejoint avec Tilly, c'est évidemment sur la réparation. Et en tant que dirigeante, pour engager les collaborateurs, pour le coup, ça, c'est beaucoup plus facile puisque de plus en plus de personnes ont besoin d'avoir du sens quand elles se lèvent le matin et qu'elles rejoignent le bureau. Et du coup, quand on travaille dans une entreprise dont l'ADN, le cœur, c'est des produits de seconde main, évidemment, c'est aussi plus facile d'engager sur le long terme les collaborateurs. Vous qui êtes tous les deux dans ce secteur de la seconde main, il y a un profil un peu de dirigeant justement particulier. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y a plus de femmes ou pas ?
C'est une bonne question, je ne sais pas. ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je trouve, c'est qu'on voit que le monde bouge. C'est-à-dire, toutes les marques, quelles qu'elles soient, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une marque qui annonce vouloir s'occuper de ses produits de seconde main, de le faire en direct, de le faire avec des partenaires, que ce soit vraiment des retailers plus classiques ou des entreprises qui se montent avec ce but à l'origine. Et puis, c'est quand même à la fois, on le révolutionne parce qu'on le digitalise, parce qu'on connecte des personnes ou des métiers qui étaient isolés ou répartis sur toute la France, mais c'est quand même quelque chose qui existe de tout temps, le troc, les vides-greniers, on le remet juste à disposition de tout le monde dans sa poche via son smartphone. Oui, bah, ça existe depuis un moment, mais est-ce que toi aujourd'hui qui es arrivé récemment sur le marché, tu te dis c'est bon, c'est évangélisé, tout le monde connaît, ou il y a encore... Non, justement, c'est tout le rôle, c'est de démocratiser et l'État vient d'ouvrir un fonds de réparation de 154 millions d'euros pour le consommateur final qui va lui permettre d'avoir des remises entre 6 et 25 euros immédiates sur le prix de ses réparations. Et justement, tout notre rôle est de faire en sorte que ce fonds soit exploité. Et donc, du coup, c'est d'informer le consommateur final de cet dynamisme mis en place. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'avec Amandine, on s'est rappelé récemment, c'est de faire en sorte que Le Bon Coin et toutes les plateformes seconde main, première main, soient en mesure de le proposer à leurs clients. Pour que ça se démocratise, qu'on soit informé de Vous travaillez ensemble déjà ou... On est sur les prémices du projet. Il y a ce fonds de réparation dont parlait Beryl, qui existait déjà sur les produits plus électroniques et qui va s'ouvrir aux produits textiles. Et c'est vrai que quand moi j'en parle dans mon entourage, peu de gens sont au courant. Donc comment on utilise le savoir-faire du Bon Coin, qui a une audience très forte, puisque un Français sur deux se connecte sur la plateforme chaque mois et des partenaires qui ont le savoir-faire pour justement utiliser ces fonds-là pour un seul objectif, l'économie circulaire, faire durer les produits plus longtemps. On fait une retouche, on peut porter le produit plus longtemps, ou on répare un produit, on le vend sur le Bon Coin. Et l'avantage du coup là avec Tilly, c'est que étant donné qu'on a été labellisé en tant que plateforme, nos 500 artisans sont directement labellisés. Et donc du coup, on peut proposer au national pour tous les produits textiles et également chaussures, la réparation via le Bon Coin. Donc c'est ces discussions-là qu'on a en cours, démocratiser auprès de tous les Français, d'autant plus des consommateurs qui sont comme le Bon Coin, qui vont puiser dans leur dressing des pièces à remettre en vente, ou les acheteurs qui vont acheter de la seconde main ont besoin d'entretenir, de faire perdurer, et sont d'autant plus dans cette dynamique de consommation circulaire à impact. Donc c'est la cible parfaite pour réparer, entretenir et à qui on doit s'adresser aujourd'hui. La dernière petite question qui fâche toujours, mais j'aime bien poser, c'est quand on achète de la seconde main, Zara, Shein, c'est une bonne ou une mauvaise idée? À partir du moment où elle est en circulation, autant que le produit dure le plus longtemps possible. Donc nous, on le voit dans nos commandes, beaucoup de gens pensent qu'on ne répare pas du Zara, du Shein, on en voit passer et les gens réparent, parce qu'en fait dans la dimension de la réparation, il y a une dimension économique. C'est pas parce que le produit a coûté peu cher qu'on n'a pas financièrement envie de le réparer, ça peut coûter quand même moins cher de le réparer que de le racheter dans certains cas. Il y a la dimension psychologique, où en fait on adore ce produit, on a des souvenirs, on l'a acheté quelque part, il nous rappelle quelque chose, il nous va bien tout simplement, et donc on a envie de le faire perdurer dans le temps. Et il y a la dimension écologique où le client s'engage et n'avait pas forcément les moyens à l'époque, mais pour autant, cette pièce est là dans son dressing depuis 10 ans et elle a envie de le faire perdurer. Merci beaucoup, Beryl. C'est déjà terminé. Merci. Gentil d'être venu et puis d'être là déjà aux prémices de votre collaboration. Et puis, je vous souhaite à bientôt. Merci, à bientôt. Et maintenant, on passe à la séquence en coulisses. Et maintenant, je vais te poser une série de questions sur tes devis de dirigeante. Il y aura déjà beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, BHV et Le Bon Coin. Je vais même remonter légèrement avant pour commencer de ton passage donc, de West Wing au BHV. Est-ce que c'était comme passer, on va dire, d'une start-up à un grand groupe pour toi? Exactement. En fait, j'ai eu un parcours qui a alterné des
des entreprises plus petites, type West Wing, qui est un site de vente privée de mobilier décoration, que j'ai dirigé dans sa phase des 3 à 6 ans. Donc quand je suis arrivée, c'était vraiment... L'entreprise était déjà installée, elle était déjà là, mais on accompagnait la croissance, on a déménagé deux fois les bureaux, deux fois l'entrepôt, avec des choses à structurer dans l'organisation des équipes notamment, de recruter des managers de proximité pour plus spécialiser les équipes, avec un état d'esprit très différent, évidemment, quand tu rejoins les Galeries Lafayette, un groupe qui a, pour le BHV, 165 ans, très installé, plus connu auprès, en tout cas, des Parisiens, avec des challenges qui sont complètement différents, puisque mon objectif, un de mes objectifs, c'était de digitaliser l'entreprise. Il n'existait pas de site e-commerce quand j'ai rejoint le BHV en 2018. Et pour développer donc, les ventes sur le digital, mais aussi pour transformer toute l'organisation, donner dans les mains des vendeurs des smartphones pour qu'ils puissent savoir où sont les produits, mieux répondre aux clients. Mais là, tu arrives avec un passé de 165 ans, donc des systèmes qui se sont construits les uns sur les autres, ce qu'on appelle un legacy technique et logistique qui fait que les problématiques sont complètement différentes. Dans un cas, tu es beaucoup plus dénicheur dans l'innovation, où tu dois voilà, accompagner des équipes souvent plus jeunes dans la structuration. Et dans l'autre, un peu pousser les murs et un autre type d'innovation pour s'appuyer sur le passé. L'idée, ce n'est pas de renverser la table, mais comment tu es en amélioration continue par rapport aux attentes des clients qui évoluent. Donc, deux ambiances très différentes. Et après, un an après, d'ailleurs, tu prends aussi la direction de ces Italie Paris Marais, donc là plutôt gastronomie, épicerie, restauration. Comment on fait pour passer d'un sujet à l'autre dans la même journée? Enfin, comment tu t'es organisée en fait? La clé, évidemment, c'est les équipes, c'est d'être très bien entouré. Italie, je l'attendais, donc c'est un concept de food restauration qui vient d'Italie, qui a ouvert juste derrière le BHV, parce que le groupe Galeries Lafayette avait pris la franchise pour la France. Et donc on lance ce magasin assez exceptionnel en 2019. Et moi, je l'attendais en tant que cliente depuis longtemps en France. Je l'avais découvert en Italie, je l'avais connu à New York. Donc, j'étais super excitée de aussi pouvoir prendre ce sujet-là. Très différent du grand magasin achat plutôt non alimentaire, de la gastronomie, de la restauration, des équipes italiennes en majorité qui arrivent avec leur savoir-faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'ai trouvé la bonne personne pour prendre Italie, qui avait, lui, une vraie expertise restauration, parce que ça ne s'invente pas, c'est plein de techniques. Et côté BHV, j'ai aussi structuré, organisé un nouveau comité de direction. Et donc, la clé pour réussir, évidemment, c'est d'avoir des équipes auprès de soi qui soient différentes, expertes chacun de leur sujet. Et toi, en tant que manager, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler ensemble. Super, super intéressant. Et bon, on va parler quand même des petits désagréments aussi que tu as connus. Hein. Oui. Et puis qui n'étaient pas forcément de ton fait. Je pense notamment aux gilets jaunes quand tu étais au BHV. Quand tu vois comme ça les premières manifestations, c'est quoi ta réaction et qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je vais faire quoi? C'est vrai que j'arrive en 2018, assez vite arrivent les gilets jaunes, avec pas mal de conséquences, de perturbations pour les clients pour rejoindre le magasin, pour la sécurité des collaborateurs, de s'assurer que tout va bien se passer. Derrière ça, on a eu des grèves assez importantes, puis le Covid. Donc les équipes se moquaient en me disant, à part l'invasion de sauterelles, tu nous auras tout fait. Donc c'est vrai qu'on a eu un enchaînement d'aventures assez extraordinaires. En fait, on se met dans un mode un peu cellule de crise. Et là, évidemment, on est formé aussi à ça, dans un grand magasin, en prévision d'un attentat ou d'un événement vraiment à risque. Donc on a quand même des réflexes. Et on a toutes les expertises dans le magasin. J'aimais à dire que je me sentais un peu maire d'un village au BHV, parce qu'on a toutes les fonctions qui sont là, notamment des directeurs techniques, des savoir-faire, des ateliers qui sont capables de protéger. Et donc on met en organisation toutes les équipes pour faire en sorte d'être le mieux préparé possible dans l'incertitude. Parce qu'on ne sait évidemment pas si ça va arriver, quand ça va arriver, mais au moins qu'on soit avec les meilleurs réflexes et les meilleurs outils pour répondre à ce qui peut nous arriver. Ouais. Donc quand il y a eu le confinement, vous étiez presque prêt. Oui, alors on s'y attendait pas trop. C'était pour la première fois le BHV fermé. Ouais. Il n'avait jamais fermé.
à part 3 jours par an, le 1er mai, Noël et le jour de l'an. Même pendant les périodes de guerre, il était resté ouvert. Donc ça a été vraiment quelque chose d'inouï pour les équipes. En fermant, c'est une anecdote, mais en fermant les escalators et les caisses, on ne savait même pas comment elles allaient se relancer à l'ouverture parce qu'on ne les avait jamais arrêtées. Donc c'était beaucoup de choses à découvrir. Une fois passée la stupeur, on s'est organisé là encore en se disant bon, et qu'on a pu le faire par les réglementations qui évoluaient, on s'est dit les clients sont pas là, comment on accélère sur les travaux qu'on avait en cours dans le magasin. Donc on a rebondi en se disant essayons quand même de gagner du temps et d'utiliser ce temps au mieux. Et donc, on a quand même des équipes qui arrivaient à venir, à travailler. Et on a pu finalement gagner sur certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas faites, qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à faire, grâce... Il faut regarder le côté positif de tout ça. Grâce à cette fermeture, on a accéléré sur des travaux de fond. Donc, c'était hyper intéressant. J'imagine le numérique. Super. Tu arrives après au bon coin. Hop, j'accélère. Donc, il y a 6 mois, comme on le disait tout à l'heure. Tu voulais changer, être vraiment dans une boîte à impact à un moment. C'est qu'on voit beaucoup de dirigeants qui, au bout de quelques années, veulent vraiment avoir plus, être sur des boîtes plus responsables. C'était ton cas ou pas? Déjà, ça faisait 5 ans que j'étais aux Galeries Lafayette et au BHV. Je ne me suis pas ennuyée avec tout ce qu'on vient de citer. Mais c'est vrai que je me posais la question de me dire comment je peux faire encore évoluer mon parcours. Avec Westwing, j'avais connu le e-commerce et être dans une boîte tech, c'est quelque chose qui m'attirait vraiment. Et puis, je pense un peu avec l'âge et l'alignement de ces valeurs. On avait lancé une initiative Go for Good au BHV en partenariat avec les Galeries Lafayette pour essayer de promouvoir un commerce plus responsable, de donner à voir aux clients pourquoi tel produit est plus responsable que celui d'à côté sans stigmatiser personne. Donc vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et on avait fait des initiatives. On avait mis par exemple Celency sur de la seconde main en décoration dans le magasin. Mais c'est vrai que je me suis dit j'aimerais bien aller encore plus loin et que cet ADN, que l'impact soit vraiment dans l'ADN de la marque. Et le Bon Coin, c'est génial. C'est une marque qui est dans le quotidien des Français, qui a une ambition folle au sein du groupe dans laquelle elle est, qui s'appelle Adevinta, de faire demain le leader européen de la seconde main. Déjà en France, on est bien installé, mais on a encore beaucoup de choses à offrir aux clients. On offre depuis peu, par exemple, du e-commerce. On était vraiment avant un site de médias, de publication de petites annonces. Tu trouves ton produit idéalement dans ton quartier, ce qui est toujours le cas. 80% des échanges se font en face à face. Mais tu peux aussi aujourd'hui, si tu ne le trouves pas ou si tu veux l'envoyer plus loin, utiliser nos services de paiement sécurisés, nos services de livraison pour pouvoir l'envoyer partout en France. Et ça fait 6 mois, ce que je disais encore, mais c'est très récent. Comment tu fais pour prendre en main tous les sujets? Est-ce que déjà ça suffit, c'est ça, 6 mois pour à peu près se remettre dans le bain d'une boîte, de connaître un peu tout le monde, ou c'est encore juste? J'ai l'impression de jamais avoir fait le tour de tous les sujets. Mon parti pris quand je suis arrivée, je me suis dit j'ai envie de comprendre les business models, comment ça fonctionne. Il y a des choses que je connaissais, la partie ce qu'on appelle re-commerce, donc biens de consommation de seconde main. Mais de ce mouvement vers le e-commerce, c'était des choses qu'évidemment j'avais déjà bien vues au BHV, chez Westwing avant. Mais il y a d'autres marchés au Bon Coin. On est leader sur l'immobilier, sur l'automobile, on est sur les offres d'emploi, sur la location de vacances. Et ça, c'était des secteurs que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai voulu vraiment me plonger au cœur avec les équipes, de vraiment comprendre dans le détail comment ça fonctionnait. Et puis, mon ambition première, c'était de pouvoir faire le tour des équipes, de me présenter à eux, de les écouter, d'avoir leur retour en direct et d'essayer de les connaître le plus rapidement possible. J'ai réussi à peu près à les voir tous. Et maintenant, on est plus dans la construction de comment on construit les étapes à venir pour le Bon Coin. J'imagine que tu as été en relation assez importante aussi avec Antoine Joutot, qui était l'ancien patron aussi du Bon Coin, qui est bien sûr francophone, même s'il est maintenant évidemment de côté Adevinta. Ça devait faciliter peut-être les choses, j'imagine. Ah bah bien sûr. Ouais. Non, mais ça, c'est une chance inouïe, c'est une courte échelle. J'arrive dans une entreprise où je succède à quelqu'un qui est toujours dans l'entreprise, donc évidemment il est là pour répondre à toutes les questions
questions que je peux avoir, il a toute la connaissance passée, et en même temps, il me laisse la place, parce que lui a aussi d'autres préoccupations à son niveau, mais aussi parce que c'était sa volonté de trouver quelqu'un pour diriger la France. Donc pour moi, c'est une arrivée, enfin, ça ne peut pas être mieux, quoi. Je suis vraiment épaulée, il est là quand j'en ai besoin, donc c'est génial. Et la question que je pose souvent à tout le monde, mais c'est quoi un peu justement ton style de management, en tout cas, quel va-t-il être chez Le Bon Coin ? Ce qui m'anime en tout cas, c'est l'humain, les collaborateurs, les clients, la relation. Donc ce que j'aime, c'est vraiment cette proximité. En étant, c'est pour ça que j'aime la distribution et là la tech, à la fois attendu pour porter une vision, engager des grandes transformations, donc vraiment la tête dans les nuages, mais les mains et les pieds vraiment dans la gadoue, de façon très opérationnelle. Donc moi, j'aime traiter les sujets, les faire avancer. Voilà, je suis vraiment dans l'action. Pour que les choses bougent. Les équipes, elles arrivent avec des problèmes, des solutions, et comment on décide au mieux pour faire avancer l'entreprise. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas décider, de rester dans le flou. Et donc, cette énergie-là, c'est ce que j'essaye de donner au quotidien aux équipes et de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait le succès d'une entreprise, je pense. Je reparle un peu d'Antoine Joutot, mais en fait, c'était quand même une figure assez connue hein, dans le monde de la tech, puisqu'il a dirigé Mon Coin pendant plusieurs années. Est-ce que tu penses qu'il est important d'incarner une marque et incarner une marque comme ça, comme Le Bon Coin? On voit aussi d'autres fondatrices, moi qui connais bien les fondatrices de start-up, on prend peut-être à Lucie Bache, Too Good To Go, Justine Hutto de Respire, voilà, qui sont des personnalités, voilà, on les voit, on pense tout de suite à leur marque. Tu devrais faire ça ou pas, du coup, pour Le Bon Coin? Je pense que c'est important d'incarner la marque, de l'expliquer. En plus, Le Bon Coin, c'est à multifacette. On couvre plein de secteurs, on est dans un groupe européen, demain on va pouvoir proposer du cross-border, donc de la vente de produits entre les pays. Et donc le fait d'incarner cette marque-là et d'être présent aujourd'hui par exemple, c'est aussi pour mieux expliquer à l'ensemble des Français et des Françaises ce qu'on fait, pourquoi on le fait et porter nos valeurs. On a des valeurs très fortes au Bon Coin, autour de la proximité, du pragmatisme, de l'engagement. Et être la figure de proue de ça, c'est important pour que... c'est aussi une des raisons pour ceux qui nous regardent d'avoir l'idée d'aller sur Le Bon Coin pour acheter, pour vendre. Je pense que voilà, il faut le faire si on a envie de le faire. C'est surtout ça qui compte. Tout le monde n'aime pas faire ça. Et donc je pense que la meilleure approche, c'est de se sentir à l'aise ou d'être accompagné au départ pour le faire. Les jeunes entrepreneuses que je suis, notamment via Leia Capital, qui est un fonds de business angel qu'on a monté avec différents profil de femmes. Évidemment, on les accompagne aussi dans le réseau, le développement des prises de parole. Et il faut qu'il y ait cette envie, cette fibre d'incarner ça, parce que c'est une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, des collaborateurs et de nos clients et de nos utilisateurs. Ouais, tu me fais une très belle transition sur l'EIA Capital que je connais bien. Effectivement, c'est une quinzaine de femmes qui avaient monté ça. Alors, je ne sais pas si tu faisais partie des premières. Non, moi, j'ai rejoint au fond numéro 2. Donc elles étaient 15 à l'origine, on est 29 aujourd'hui, et donc nous sommes que des femmes, avec des profils très différents. On a, comme moi, des gens qui viennent de différentes industries business, on a des femmes qui sont dans des fonds de private equity, en communication, des avocates, donc elles ont réussi à faire un casting super éclectique, l'idée, c'est on a mis au pot de l'argent commun pour investir dans les projets qui nous tiennent à cœur, souvent à impact, avec au moins 30% de la participation, enfin de la fondation qui sont dans les mains d'une femme. Mm-hmm. Pourquoi ? Notre constat, c'était, il y a eu une étude qui a été faite par Sista et le BCG. Aujourd'hui, les entreprises start-up fondées par des femmes, 2% des fonds vont à ces entreprises-là. Mm-hmm. Si on regarde mixte, homme-femme à la tête, c'est 15%. Et donc, on se dit, il y a un sujet. Donc, elles sont, pas assez nombreuses. Donc, comment on développe des rôles modèles? Et il y a plein de femmes, Céline Lazorte, ce que fait Tatiana Jama avec Sista, qui ouvre la voie et montre que c'est possible. Et puis, ensuite, comment on les rend plus crédibles? Pourquoi il y a si peu de financements qui leur sont donnés? Et donc, nous,
à notre échelle, on s'est dit on veut leur donner un coup de pouce. Et bah, quand les projets, on fait des due deals, hein, donc c'est sérieux, mais quand les projets, on pense qu'il va avoir un retour sur investissement, que l'équipe est solide, qu'il y a un vrai marché et idéalement de l'impact, eh bien, si 75% des femmes sont d'accord, on se lance. Et pour toi, c'est aussi une façon de t'inspirer, de te sortir un peu aussi de ce quotidien qui est à mille à l'heure, hein, pas de, d'investir chez ces pieds d'aider ces femmes, en tout cas dans leur projet. Bah, il y a le réseau lui-même, toutes ces femmes de Leia Capital. J'en connaissais certaines, mais il y en a plein que je ne connaissais pas et j'ai découvert voilà, des femmes extraordinaires avec qui j'ai vraiment plaisir à passer du temps. Donc on se voit au moins une fois par mois pour les pitchs, mais même plus. Et puis il y a le fait de rester en contact avec toutes ces startups. On a un deal flow assez important qui vient. On fait des due deals, donc on choisit les sujets sur lesquels on a envie de travailler. C'est vraiment side business à côté de ce que je peux faire pour Le Bon Coin. Et ça nous permet d'étudier des secteurs très diversifiés, de la food, des solutions SaaS, de la tech, de l'industrie. Et donc c'est génial, c'est hyper enrichissant d'un point de vue intellectuel, mmh. voilà, d'être stimulé par toutes ces femmes et ces idées géniales. Mmh. La petite question aussi, vie pro, vie perso, hein, qu'on pose à la fois aux femmes et aux hommes, hein, donc c'est pas du tout une question pour les femmes. Comment toi tu t'organises là, en plus on vient de voir, t'as tout ça au bon point, tu as cette partie investisseuse, voilà, comment tu fais, tu mélanges tout? Ouais, je mélange tout. Je mets tout dans le shaker. En fait, bon, j'ai un conjoint exceptionnel qui est voilà, derrière chaque femme, il faut un conjoint exceptionnel qui aide. Donc j'ai la chance de l'avoir. J'ai deux enfants qui ont 10 et 12 ans. Donc évidemment, c'est une partie très importante de ma vie. Mais moi, j'ai aucun problème à justement qu'il y ait pas de, que tout soit poreux et que tout se mélange. Donc je vais avoir du temps qualitatif avec mes enfants le soir quand je rentre à la maison. Mais ensuite, si je dois retravailler, ça me pose pas de problème. À côté de ça, j'ai une vie sociale, on sort, on fait des dîners, on va à des concerts, enfin on fait beaucoup de choses. Mais voilà, le fait de parfois, pour moi, et ça c'est très personnel, devoir retravailler parfois le week-end ou le soir et que les choses se mélangent, ça me pose pas de problème. Maintenant, j'ai mes sas de décompression. J'ai mon temps personnel sur mon vélo tous les matins et tous les soirs où je peux rien faire d'autre que pédaler. Donc là, ça, voilà, ça me vide l'esprit et je pense à plein de choses, c'est sympa. Et puis, je sais pas, mes temps pour moi de sport, de temps familial avec les copines. Et donc, ces bulles-là, elles sont fermées. Mais après, que les deux se mélangent, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, ça me pose pas de problème. Ouais. Bah, écoute, mais super, bah, merci en tout cas déjà pour cette interview. Et maintenant, on va passer à l'interview chrono. La dernière partie de cette émission, donc l'interview chrono, je vais faire une série de questions-réponses courtes, il faudra aussi des réponses assez courtes. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat féminin, est-ce que tu peux justement citer une entrepreneuse que tu aimes particulièrement? Alors, on a vu Beryl. On a vu Beryl. Là, avec Léa, on a investi par exemple dans Bao Family, donc des restaurants, et c'est Céline Chung qui est franco-chinoise et qui démocratise la cuisine chinoise. Et ça fonctionne très bien. C'est très loin de la tech et d'autres projets qu'on peut voir. Et je trouve qu'elle fait un travail remarquable. C'est quoi ton dernier achat sur Le Bon Coin? Alors, j'ai acheté un produit assez vintage, une sorte de cendrier Dame de France de Marseille. Mon mari est marseillais et je trouvais que c'était sympa en objet déco. Tu préférerais être dirigeante ou investisseuse ? Ah bah, je suis les deux, donc je n'ai pas à choisir, c'est ça la beauté. pourquoi choisir ? Ouais. Non, je peux faire les deux, donc c'est une super opportunité. L'application que tu utilises le plus ? À part Le Bon Coin, tu veux dire ? Bien sûr. je dirais Instagram. Ah, Instagram. Allez, on prend. Écoute, merci beaucoup. C'est hyper rapide, mais toujours intéressant d'avoir aussi cette partie-là. Je te remercie beaucoup pour ton temps et d'avoir partagé tout ce témoignage. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé cette émission. Au revoir.